Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo importante que j'aimerais mettre au point avec tous mes abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés mais qui essayent de me la faire à l'envers. En fait, je vous explique, j'ai fait un concours sur le MacBook Pro Air et genre, ça va être simple, j'ai dit le nom de la gagnante, excusez-moi, et il y a eu bizarrement tout de suite la fille qui à commenter en dessous. Moi, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une usurpation d'identité. Parce qu'en fait, je me casse les couilles à vous trouver des sponsors qui offrent des beaux cadeaux et vous me la faites à l'envers. De toute façon, ces personnes ont été bloquées. Alors, ils ne pourront plus commenter mes vidéos. Je vous explique. La Charlotte, elle s'appelle... La gagnante, elle s'appelle Charlotte BVR. Et genre, j'ai dit le machin, évidemment, tout de suite, ouais, c'est moi. Sauf que le pseudo, c'était marqué Christine. Donc, évidemment, non, c'est pas toi. Donc, je lui dis, c'est pas elle. Et après, il y a une autre personne qui a dit, ouais, c'est moi. C'était marqué Charlotte BVR. Sauf que je ne suis pas con. Parce que j'ai regardé au moment qu'elle a mis le commentaire. Et au moment qu'elle a mis le commentaire, elle s'appelait pas Charlotte BVR, mais Clarisse. Et oui, j'ai pu tout voir. Et de toute façon, je sais que c'est un faux compte. Parce que le vrai compte de la Charlotte BVR, je sais comment ça s'écrit. Et ça s'écrit pas comme les personnes qui l'ont mis en dessous. Ensuite, ils ont des photos. Et je sais les personnes... que c'est abonné, je sais le nombre d'abonnés qu'elle a, et ces personnes ne correspondaient pas aux critères. Alors, ça vous sert à quoi? De toute façon, vous me prenez vraiment pour un con? Ça fait presque 5 ans que je suis sur YouTube. Vous pensez que j'allais envoyer un cadeau à la première personne qui raconte Charlotte BVR? Mais non, je me renseigne avant, je regarde la personne, ce qu'elle a, où je peux la joindre. Vous inquiétez pas, je l'ai déjà joint. Et elle n'est pas très heureuse qu'il y en a qui se secrètent et quand aussi a pour lui piquer son MacBook Pro Air. Parce que, en fait, vous me prenez pour un con parce que, en fait, je vérifie tout avant. Je vérifie tout. Alors, les gens, ils créent des comptes sans photo et la fille, elle a une photo. Alors, vous allez me dire, ah bah oui, mais bon, elle a pu l'enlever. Oui, mais après, je vérifie elle est abonnée à qui, je vérifie le nombre d'abonnés, et c'était pas pareil. Alors franchement, je suis déçu parce que, franchement, j'avais un concours pour les 1000 abonnés, mais je sais pas si je vais le faire parce que, franchement, je suis déçu. Et je suis déçu par aussi certaines personnes, enfin, une personne en particulier qui se reconnaîtra dans cette vidéo, qui la personne qui me suit depuis longtemps dans les concours et que j'ai jamais triché, et la personne qui a remis en doute mon expertise. Alors là, franchement, je suis déçu des personnes qui osent me dire que je triche. Je n'ai jamais triché dans un concours. Alors je vous préviens que la prochaine fois que si je retrouve un sous la vidéo des résultats, la personne sera bloquée définitivement. Parce que je vous explique, ce matin je me lève sur le statut, enfin sous la vidéo en question. Ah, il n'y avait plus de commentaires. Bizarrement. Alors, vous pensez quoi? Si c'était la vraie Charlotte, est-ce que vous pensez qu'elle aurait enlevé le commentaire en dessous de la vidéo? Je suis pas sûr. Ne vous inquiétez pas, la Charlotte, je lui parle, enfin, en ce moment pas là parce que je vous fais cette vidéo, mais je suis en contact avec elle et elle recevra le MacBook. Et c'est la vraie Charlotte. Alors, pas la peine de vous créer des comptes et des comptes faux avec le nom. Parce que ça n'a ni rien à voir. Parce qu'en fait, ils mettent des majuscules, des minuscules. Mais ils ne savent pas, dans le vrai nom, ce qu'il y a eu comme minuscules et majuscules. Donc là, dans le faux compte qui a été créé, c'est pas la même écriture. Enfin, pas majuscule et minuscule. Alors, pas la peine de tricher. Je vérifie tout avant. Je vérifie tout. Alors, rien ne passe à côté. Alors, merci à tous ceux qui partageront cette vidéo. Merci à tous ceux qui me comprendront. N'hésitez pas à le dire en dessous si
Vous pensez que j'ai raison de m'énerver un peu parce que franchement, je vous fais des concours quand même que d'autres youtubeurs ne font pas. Alors, venez pas tricher, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Ciao, ciao!